Barouk, Barouk, allons voir si Barouk est toujours aussi intéressant qu'avant. Donc, on joue avec Tempête Réactive. Donc, le build, écoutez, je vais pas le modifier. Attaque, Fury, Coup Répit pour la survivabilité. L'objectif, c'est de tester simplement la configuration. Qu'est-ce que j'ai en Helminth? J'ai. Ah oui, pillage défensif, c'est pas mal. En mêlée, il me faut une mêlée très spécifique. Alors, je vais garder les Prydos. Voilà, c'est celle-là avec les trois modes Glad. C'est très très bien. Je suis en Vazarin. Mon vent du désert, il est en corrosif de base. Ouais, à l'époque, on jouait plutôt viral de base. Bon, là, corrosif, c'est très bien. Ah, yes! On peut jouer. Et oui. Et oui, et oui. Acier galvanisé. On remplace ça, à la rigueur, ça. Vu que j'ai un format Umbra dessus. Je vais mettre le pression sacrificielle ici. Donc je libère une polarité en V. Et je peux peut-être caler. On va caler les mentalistes. Hein. On peut pas. Au pire, je change une polarité. Hein. Je vais changer une polarité. Je vais changer une polarité. C'est le mieux à faire, je pense, là. C'est le mieux à faire. Et on part sur les mentalistes. Parce que de toute façon, la mêlée, vu qu'on joue avec l'augmente, on va appliquer plein de statuts qui bénéficient de élémentalistes. Même si là, je n'en bénéficie pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est parti, on va les tester. On va les tester. Ouais, c'est ça, Master Elmo. Non, quand vous voulez faire un Panzer, les gars, rien à foutre hein, des espèces de flacons là que vous devez combiner. L'un influence la première polarité, l'autre influence la forme de la queue. Rien à foutre. Allez, on baisse la jauge. Pas plus d'énergie. Donnez-moi de l'énergie, les gars. Ouais. Je vois que du corrosif. Je vois que du corrosif. Mais non. Mais non. Y'a que du coraux, les gars. Oh, c'est terrible. C'est un bug, je pense, hein. Je pense que c'est un bug, les gars. Hein. Ah non, j'ai le. J'ai l'augmente sur la frame, hein. Il est censé faire tous les types de statuts, et là, pour eux, c'est viral, genre. Normalement, il s'est censé faire du viral pour eux. Oh, c'est nul. Bah, il faut faire un. Les gars, prenez ce clip. Et envoyez-le sur le forum sur la partie bug. Prenez ce clip. Là, on est censé avoir plein de statuts différents. Je vais le montrer vite fait, comme ça, vous allez envoyer la séquence. Pas censé, c'est pas censé faire ça, les gars. C'est un bug. C'est un bug. Je montre vite fait avant que vous fassiez le clip. Vous voyez, J'ai mis l'augmente. Vent du désert obtient 250% de chance de statut et change le type de dégâts pour s'adapter aux faiblesses de l'ennemi. Voilà, donc là normalement il n'est pas censé faire corrosif tout le temps. Là il faisait corrosif tout le temps. Corrosif, puncture et tout, voilà. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Enfin, je vais quand même aller checker le wiki. Parce
Parce que, attends, là, il faisait de la perfo, je suis pas censé faire de la perfo. Est-ce que maintenant, genre, c'est pas les éléments combinés? Je vais quand même aller checker le wiki, attendez. Wiki Warframe. Est-ce que genre, écoutez, franchement, ce serait triste. Peut-être qu'ils ont dit maintenant c'est que les IPS. C'est que impact, tranchant et perforation qui s'adaptent. Et ils s'adaptent plus aux autres éléments. Alors si c'est ça, c'est moche, hein, mais il y a un monde où c'est ça, les gars. Mais il est où le wiki anglais? Fandom wiki. English. Warframe. Baruch. C'est l'augmente du 4 si je dis pas de bêtises. Ok. Augmente. Il n'y a pas plus d'infos. Il n'y a pas plus d'infos. Oh yeah. Parce que c'est vrai que ça faisait de la perfo. C'est pas censé faire de la perforation. Bonjour à Valange, bonjour à Troy War. Peut-être seulement un bug visuel. Non, non, c'est franchement les gars, ça m'étonnerait pas hein, que genre maintenant le statut, ce soit ils aient fait un truc très particulier, tu vois. Où est-ce que je pourrais voir ça? Comment il s'appelle le mode? Comment il s'appelle le mode? C'est... Tu sais que si tu vas dans les pouvoirs sur la Warframe et que tu regardes le sort, il te montre si un mode augmente. Et tu peux faire clic droit pour le voir. Non, non, mais ça je sais, poteau. Je sais, je veux voir les précisions sur les éléments qu'il est censé faire. Parce qu'avant il faisait des éléments en plus genre viral et tout ça. Et maintenant il fait plus. Non, c'est pas ça. Comment, à votre avis, comment il s'appelle en anglais tempête réactive? Ah, c'est peut-être Reactive Storm. Ouais, c'est ça, merci Niyama. Ok, donc là je suis dessus. Ah non, il est censé... Ah, attendez. Depuis la 36.0... Attendez, je vais traduire pour voir. Depuis la 36.0, donc c'est la précédente mage, nous avons mis à jour son augmentation tempête sereine pour qu'elle s'adapte correctement aux nouvelles vulnérabilités plutôt qu'au type de santé optimale. Comme c'était le cas auparavant, la tempête de Baruch a été ajustée pour utiliser le nouveau système de vulnérabilité plutôt que le système de type de santé. Le tempête réactif se comportera de la même manière qu'avant et nous assurons simplement qu'elle fonctionne correctement avec le nouveau système. Ben y a pas d'infos là. Alors, je vais tester contre un autre type d'ennemi peut-être. Un autre type d'ennemi. Allons voir sur le Sanctum. Allons voir contre le Sanctum. On va voir, on va voir.
Merde, pourquoi j'ai fait ça? Je vais partir en steel pass directement sur la survie. Ouais, ça dépend de la faiblesse de la faction. Bah ouais, mais là c'était censé faire viral. Avant, ça faisait viral, hein. Sur les Orokins. Donc là, il fait plus. Allez, on va tester en steel pass contre les murmures. Parce que là, il faisait de la puncture, il était pas censé en faire. Donc c'est que ça marche, mais peut-être différemment d'avant. Corrosif. Je vois que du coro. Ouvrez bien les yeux. Là, je vois vraiment que du coro. Hein. Y'a que du corrosif, les gars. Y'a que du corrosif. Je vais te mettre mon 3, c'est pour ça que je suis mort. Du coro. Ça en chie contre certaines cibles. Hein. Que du corrosif. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Marche point. Bon, c'est toujours fort, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais ça fait pas ce que c'est censé faire. Hein. Que du corrosif. Je suis toujours en coro. Ah non, mais il y a un problème. J'enlève le corrosif, tu penses? Vas-y, je vais voir. Et je laisse que les mentalistes. Ouais, je laisse deux trous, hein, c'est pas grave. Hop, allez, on reteste. Je sais pas, c'est la nuit là actuellement, NR, ou pas encore? Comme ça on y va vite fait, on fait deux trios et après on retourne vaquer à nos occupations. Ah, il faut pas mettre d'éléments. Là, ça y est, il tape la faiblesse. La faiblesse contre eux, c'est électrique. En fait, il faut enlever tous les éléments. Oh, mais c'est incroyable ce truc. C'est incroyable. Il faut enlever les éléments du build. Attends, on va aller voir.
Ah, c'est la nuit là? Ah bah on va y aller, je finis, je teste juste contre Ouais bah il faut enlever, j'ai enlevé les deux éléments moi. Il faut enlever les éléments. Donc là on va tester contre les... Dans combien de temps on a là? Combien de temps on a? Ah bah voilà, écoute, on a largement le temps de faire deux trios. Préparez-vous là ceux qui voulaient faire leur première Nébuir et Enerz, je vous embarque. Il y a un troisième qui a besoin aussi. Ah, tu gères Elmo. Hein. J'aurais jamais pensé, poteau. J'aurais jamais pensé. C'est sûr que ça ne me serait jamais passé par la tête. Là je vois de la perfo, c'est pas censé faire de la perfo. Je crois que c'est la perfo hein, maintenant. Hein. Ok, bah en fait ils ont changé en soum soum les éléments que ça fait. C'est probablement depuis Jade les gars ça. Hein. C'est juste qu'on s'en est pas rendu compte entre temps. C'est probablement depuis Jade que c'est comme ça. Hein. Et en fait maintenant ils ont adapté les éléments que ça fait. Ça fait pas le viral comme ça faisait avant. Ici c'était censé faire du viral. Donc maintenant c'est pour ça que ça fait de la perfo. Ok. Et ouais la perfo elle est pas sur le build. Ah j'ai vu du feu. J'ai vu un statut de feu. Je vais essayer de le revoir. Le problème c'est que les mobs on les one shot là. Ah attendez. Ah non mais j'ai un panzer, oui. Je voyais du viral mais en fait j'ai un panzer. Ça fait que de la perfo. J'ai cru voir un statut de feu à un moment donné. Oh, c'est pas nul hein. C'est pas nul hein parce que là vous voyez je suis en x12. Par contre ça fait pas du giga crit rouge là. Alors que là je suis en x12 les gars. Là c'est censé faire du giga gros crit. Voilà, il faudra qu'on se pose à un moment donné sur ce stuff parce que... Avant ça faisait du gros crit rouge là à ce moment là et là ça le fait plus. C'est tristoun. Hein. Je suis en x12 depuis tout à l'heure. Hein. Salut à El Diablo, salut à toi. Ouais, c'est bizarre, Ado Sensei. C'est bizarre. C'est terrible.